On a commencé avec 451 millions d'estimés évidemment, alors que bon, comme je l'ai expliqué là, rien que les Jazz du coup, qui sont marqués à 600 000 les trois, c'est plus de 180 millions. Enfin bon, plus. Donc on est à plus de 600 millions, je dirais 650 millions même. Donc actuellement, il y a marqué 451 millions d'estimés ici, 405 en inventaire. Hein. Et on verra, on fera la diff une fois tout fini. Hein. Alors, des prix tech. J'en ai prévu, je vous le dis, j'en ai prévu. Alors, elles sont où mes prix tech? Alors, une prix tech brillante, deux prix tech iridescentes. Donc, voilà. Alors, on va commencer par mes deux prix tech iridescentes. Je check bien. Donc, deux iridescentes. Ok, alors, prix tech iridescente, x2. Tac, il me restera une brillante. Ok, bon, je sais très bien que, on voit pas ce qui est économisé à ce moment-là. Et là, il me manque une brillante. Parfait! Trois prix tech. J'aurais pas pensé, hein. Parfait, merci beaucoup. Je remets juste 450M. 451M, c'est ce qu'il y avait marqué d'estimé en prix. Bon, on a économisé quelques petits. Oh, vous savez quoi? On regardera à la fin. Ok, on regardera à la fin combien de milliards de millions on a économisé. C'est 100 millions, la légende. Hein, la légende. Et évidemment, la légende. Alors, en item, on a la cape âme hurlante. x4, non, x1, c'est déjà très bien. Âme hurlante. Ouais, je verrai ça. Je m'occupe déjà des succès, c'est par curiosité. Oui. Ouais. Mais, ouais. Ça, tu y arriveras un jour. Bon, âme hurlante, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à crafter ici dans l'atelier des. J'ai cap de l'œil attentif. Je fais toutes les choses dans l'ordre. Quoi? Cap de l'œil attentif, il me manque quoi? J'avais tout fait au pixel près là pour chaque item. C'est quoi? C'est moudre? Cuir? Je sais pas, peut-être cuir, hein? Voilà, allez, ma bûche de tremble! Allez, écho là! Faut l'écho! On verra ça plus tard, hein. Donc, cap de l'œil attentif, c'est bon, on peut la faire. Boum! Ensuite, capuche de l'œil attentif. Mais pourquoi je peux pas la crafter elle non plus là? Oh putain, à cause de la potion étoilée. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis dans essence! Oh le gros con! Personne me l'aurait dit! J'ai encore le truc d'avant. Allez, boum! Voilà, c'est bon, c'est crafté. Allez, zou! Capuche de l'œil attentif. Ça, c'est réglé. Boum. Ok. Ensuite, on a casque Volcorn. Casque Volcorn. Boum. Ensuite, en item, coiffe cap, on a chagrin de cire. Donc là, la coiffe cire Momor. x1, évidemment. Tac. Ensuite, on a coiffe de la reine des voleurs à l'unité. Tac. Ok. Ensuite, on a corset de misère, non. Crocobure, non. Phalanster, non. Ça non plus. Panoplie de guerre. Home de guerre. Parce qu'il y a des items probablement que je peux craft à cause des ressources, mais que je n'ai pas besoin de craft. Donc, home de guerre. Ensuite, il me faut Nemesse de Talkasha. Nemesse de Talkasha. Boum. Sinon, j'essaierai plus tard. Jamais fait, mais ça me tente. Ouais, bah, comme tu me vois, hein, ça va. Hein. Une fois que t'as une bonne compo et compagnie, et que t'as l'habitude d'en faire, ça va. En vrai, ça va. Ensuite,
Parure de vautour. Tac. Ok. Parure du vautour. Pestilence de corruption. Pestilence de corruption. Alors, est-ce que je le fais direct? Ou alors... Bah, en vrai, oui. En vrai, oui. Comme ça, on aura déjà peut-être un aperçu, hein. Allez, hop. Ma première corrup. On est parti pour le premier... Pour le premier item légendaire. Surprise. On clique. Ok. On en a déjà pas mal, hein, des items. On en a déjà pas mal, là. Hein. On en a déjà pas mal. Bon, on va check si on a économisé la première légende. C'est pas la plus chère, c'est sûr, mais bon. Allez, 3, 2, 1. Ah, putain, j'ai vu une... Ah, pas d'écho. Pas d'écho sur la pestille de corruption. Eh non. Ok. Bon, on en a d'autres, hein, Craft. Hein. On en a d'autres, hein. On en a 9 en totalité. Hein. Ok. Donc, on a Phalanster, Trompe-la-Mort. On va commencer par un petit mur de ronces. Allez. Un petit mur de ronces. Boum. Ensuite. Allez, on commence par le Trompe-la-Mort. Un Trompe-la-Mort. Ça y est, deuxième item légendaire. Tac. Ok, ensuite il va me rester Phalanster en termes d'item en bouclier face. Ouais. J'irai check après les légendes. On ira check après les légendes. Je prends ma part du magot s'il y a bénef. Allez, le petit Phalanster. Le petit Phalanster. Ok. Fou, j'aimerais bien l'écho là, celle-là. Véridique, hein. Ok, bon, on commence déjà à y avoir pas mal de ressources, hein. Ensuite, on ira check les légendes plus tard. Hein. On ira check les. Oh, vous savez quoi? Ben non, on va faire au fur et à mesure, allez. Si déjà on a. Ok. On ouvre. On va regarder si j'ai économisé une légende. Ou deux. Trois, deux, un. Allez, trompe la mort d'économiser. Quoi? Ça vaut que 1,7 million? Vraiment? Vraiment? J'ai économisé une trompe la mort! Et ça vaut que ça? Mais c'est pas possible! Mais arrête tes conneries! Quoi? Scandale! Exactement, scandale! Non! Bard, je vérifie que j'ai. Si, j'ai le pilier et la potence d'Ephedria! Clémomore, ça. Oh, il y a les crocobures! Les crocobures! Oh! Mais on va pas les faire direct! On va pas les faire direct! On ne va pas les faire direct. Donc je check bien que j'ai tout. Là que j'ai pas crafté le reste. Ok. Donc, H-barre de guerre. Allez hop. C'est parti. T'es pas chaud, tu me donnes la légende de trompe et on te retire les AM5 des 87. Écoute, je te dis ça après parce que bah, du coup j'aimerais bien refaire des échos derrière. On verra. On verra. Donc H-barre, on est bien d'accord qu'elle est dedans. Je vérifie hein, comme d'hab à chaque fois, une par une. Hbard, qu'elle soit bien dedans, hein. Théoriquement, oui. Bah, elle est où ma Hbard? Je devais la crafter ou pas? Oui, elle est là. Hbard de guerre. Tac. J'en ai une qui traîne. Qui traîne. Ok. Ensuite, en termes de. On a le pilier et potence d'Ephedria. Alors, on va faire un pilier. Même si je vais jamais l'utiliser, ça fait partie des objectifs, hein, finalement. Hein. Fois 1. Boum. Ensuite, on a la potence d'Ephedria, l'item cheat du moment, ça y est. Je l'ai aussi. Boum. Ok, on l'a. Monte-moi un peu le G, là. 472. Ouais. Ouais. Très bien. Sinon, j'ai pas. Hormis les crocobures, j'en ai pas d'autres. Alors, Yolark. Là, il est. Boum. Et les prix, là, des Galébrasians, on est... ah, ils ont un petit peu monté. Ouais, pff, bof. Ok. Bon, bah, Yolark, ça, c'est fait aussi.
Donc, alliance de corruption. Alliance de corruption, boum. Fois 1. Ensuite, on a amertume de Belladone à crafter. Tac. Ensuite, on a amulette de l'œil attentif. Ne me redis pas que j'ai encore oublié un truc. Putain, si. Donc, ça doit être le pain de Frosties soufflé, je présume. Parme fort, mon ref. Exactement. Très fort. Très, très fort. T'as une chance d'école Frosties? Ouais, justement, je sais, c'est... En plus, 2 millions 5, c'est tout? Ah, ça devait être la bûche de trempe qui valait une couille. Ah oui, bah heureusement alors. Donc théoriquement, oui, ok. Amulette de l'œil attentif. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai amulette de Volcorn. Tac. Amulette de Volcorn. Ensuite, j'ai bague de corruption. Tac. Ensuite, j'ai chez les bijoutiers. J'ai bijoutier. Ceste de guerre. Un ceste de guerre à craft. Ok. Ensuite. Cruauté de Belladone. Cruauté de Belladone. Tac. Gant du Valet Vénard. T'as écho le Frosty soufflé? Mais non, je l'ai pas écho. Je l'ai pas écho. Pourquoi tu dis ça, Jariek? En plus, on peut pas le voir là. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il me faut le lourd fardeau. Lourd fardeau. Lourd fardeau. Fois 1, évidemment. Tac. Ensuite, il me faut. Je fais les choses dans l'ordre. Tendresse de Belladone. Bon, on l'a vu dans les consommables. Ah, bah écoutez, je vais vérifier après, ce serait bien. Donc là, j'ai tendresse de Belladone. Hein. J'ai dit tendresse de Belladone. Ah, fois 1. Ensuite, il me faut un triste sceau. Mais pourquoi j'en ai... Pourquoi je peux en faire deux? J'ai tellement économisé ou quoi? Fois 1. Ok. Bah apparemment, j'ai dû tellement économiser que je peux recrafter un triste sceau. MDR. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir si j'ai économisé tout ça. Donc là, théoriquement, j'ai tout hein, ce qu'il faut de chez des bijoutiers. Théoriquement. Alors. Ah mais si! Ah mais si, il est là! Ah mais je suis con, il est dans conso. Oh! 3 millions! Mais oui! Oh, bien vu! Super! Enfin, c'est une bonne nouvelle, ça vaut que 3 millions, mais je suis content quand même, hein. Je suis content quand même. 3 millions d'écho. Ben, propre! Propre, j'ai envie de dire. Ok, alors, je refais tout dans l'ordre. Donc après ça, il restera les grosses légendes, hein, évidemment. Ok, donc, cordonnier, j'ai besoin bottes des reines des voleurs. Bottes de la reine des voleurs. Fois 1. Tac. Ensuite, il me faut les Jess, ceinture de la reine des voleurs. Ceinture de la reine des voleurs. Fois 1. Tac. Ensuite, ceinturgence. Ceinturgence. Oh, comme c'est lent. Ceinturgence. Fois 1. Ensuite, ceinture Volcorn. Fois 1. Déjà que les items souvent sont égales ou moindres au prix de craft. Après que tout le monde aille craft les items, vont valoir que dalle. Ouais, ça c'est vrai. Mais après, c'est les items que je garde. Hein. Moi, je les revends pas. Hein. Il y a juste une pre-tech à la limite que je vends. Mais les items, c'est justement, c'est pour les garder. C'est pour avoir. Enfin, le but du coup, pour moi, c'est d'avoir tous les items du jeu. Donc, c'est pas de les vendre, quoi. Ok, une ceinture Volcorn. Très bien. Ensuite, j'ai la ceinturonce de corruption. Ceinturonce de corruption.
Waouh, comme c'est lent! Tu vas faire quoi avec deux crocobures? Non, non, il y en a une évidemment que je vais vendre, mais une évidemment je vais la garder. Je vais la garder. Si, si, l'autre je l'avais vendue. L'autre je l'avais vendue, il fallait que je finance pas mal de choses. Et voilà. Ceinture once, ok. On craft. Ensuite, on a corset de misère. On a corset de misère. Allez, c'est lent, hein. Mamma mia. Corset de misère. Tac. Ah ouais, mais je vois qu'il y en a encore des choses. Mais comme c'est lent! Mais comme c'est lent! Attendez. Ok, on continue ça. Alors, j'en étais où? J'en étais à... Corset de misère. Donc ça, c'est crafté. Ensuite, il me faut éternelle poursuite. Ah bah ça va, c'est déjà plus rapide là. Oh mais largement. Parfait. Palme Triton. Palme Triton. Ah vous avez vu comme c'est beaucoup plus fluide après avoir vidé le cache, c'est ouf. Ensuite, on a sandales de Talcacha. Sandales de Talcacha. Soleray de guerre. Soleray de guerre. Et on a les Soleray de misère. Ok. Ensuite, nous restera les 3 de Jess. Je vais vérifier. Alors, je vais regarder. J'ai tout crafté, hein. Oh, je vais regarder avec vous par la même occasion. On va remonter tout en haut. Donc, ça, c'est crafté. Tac, tac, tac. Tout est bon. Amulette Volcorn. On a tout. Ça, c'est crafté. Ça, c'est fait. Sauf les Jess. Ça, c'est fait. Fait, 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 fait. Fait. Les deux crocobures, elles arrivent. Ça, c'est fait. Tout est crafté. Crafté, 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 on a tout fait. Les boucliers compris. Ça aussi, les Pritex c'est fait. Talcacha c'est fait, tout ça on vient de le faire. Ok. Eh ben génial les gars, on va pouvoir attaquer les deux Jess, les trois Jess et les deux Crocobures. Oh là 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 là. Alors attendez, 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 attendez. Alors attendez. C'est le moment de la musique épique là. Trois Jess. Allez, 3, 2, 1. Ça y est, on a 3 Jess. Ok. Ok, on va regarder. Est-ce qu'on regarde. Est-ce que vous voulez regarder directement si on a économisé une Jess ou pas? Ou alors vous voulez qu'on regarde après le craft des crocobures? Dites-le moi, là dans le chat, dites-le moi. Dites-le moi si vous voulez qu'on regarde direct. Vacraft Croco, après, allez, c'est parti. Ensuite, hôtelier des forgerons. Fouh! Si j'en ai pas économisé une là, les gars. Salut, t'es cost. Si j'en ai pas économisé une là, je pleure. Parce qu'il y avait 5 crafts hein, de gros items. 5 crafts, bah, c'est 15. Ça fait 75% d'économie, enfin de chance. Ok. Les deux crocobures. Allez, ça y est, elles sont craftées. Elles sont craftées. Elles sont craftées. Elles sont craftées, les gars. Alors, moment de vérité, théoriquement, j'arrive dans les... Ok, j'arrive là. Bon, 3, 2, 1. Oui, la crocobure! Allez, éco-croco, let's go! Wouh! Eh ben voilà! Éco-croco! Pouh! Mais ça veut dire que là, attends, là j'ai économisé théoriquement 135 millions plus ça, donc 100, 140 millions. Merci, merci Trébuche, merci Benoît. Merci, merci! Et eh bah ben, du coup, on a économisé 2 légendes alors sur les 9 items. Théoriquement. Attendez, c'est pas fini, hein. Donc on a économisé Trompe-la-Mort et Crocobure. Donc, pour celui-là, c'est la prédiction. La prédiction, récompense. Bon bah écoutez, alors, pour ceux qui découvrent, de temps en temps, il y a, contre des points de chaîne, évidemment,
des petits tchals. Et du coup, Woodfeck a récupéré, fini le français pour toi pendant 5 minutes. Donc, je vais devoir parler anglais pendant 5 minutes, c'est génial. Vote no, who vote yes? Kampfgeist, Benoît, no. Razok, yes. Razok, you are crazy. You are crazy. Hello, Dudups. Workbench égale atelier. Ok, I go to the forgeron workbench. One second, zero second. It's the end. Minjin, yes. There, I have just one crocobure, hein. You know, hein. You know. Ok, Febreze, no. Kampfgeist, no. Benoît, no. Minjin, yes. Razok, yes. Trébuche, yes. Ok, let's go to see that. One, two, three, let's go. Ok, I have three cucumbers. Woo! Huh, I don't believe it. Ok, let's go to see. One, two, three. Oh! Ok, but ok. I have three crocobures, three dame Jess. I am. Oh, wow, back to back. Bon! Alors, précipitons iridescente. C'était celui-là, hein? Ouais. Ensuite, précipitons iridescente. Ça, ce sera pour le panda plus tard. Substrat, Substart, j'ai marqué. Ok, bah je crois que j'ai tout. Hein. La petite à cheval. Tac. On craft encore ça. Boum. Ensuite, on va vite crafter les planches pour mes derniers substrats qui me seront utiles forcément dans d'autres crafts plus tard. Hein. Tac. Ah, je peux en refaire une. Bah écoute. Bah, écoute, hein. Mange pas de pain, hein. Deux substrats de sylve du coup. Peut-être faire encore un. Oh bah voilà, je peux encore en faire un. C'est 75 000 à chaque fois. Hein. Ok, bah très bien. Bon, on est parti du coup pour les derniers crafts. Ce seront les runes transcendance. Donc, ce que je peux faire, c'est de la terre et nanana. Ok, là j'en ai 11. Donc, des runes trans, j'en ai déjà 3. Je vais en faire... Ah, je vais en faire une petite dizaine, je pense. Donc, il m'en faudrait... Ah, je vais en faire 6. 6 de plus. Voire 5. J'en fais 5. Ou 4. Je vais en faire 4. De toute façon, il y aura peut-être... Il y aura de l'écho derrière. 4. Donc, ça, j'en aurai donc 7. Boum. Ok. J'en ai pas économisé des runes. Ah mince! Ensuite, il va me falloir de la rune terre. Je vais en faire. Je vais en faire. Je vais en faire combien? Ouais, 4, je pense. 4. J'en ai économisé une. Ça, c'est bien. Des trans hauts. Écoute, j'en fais 2. Vraiment. Voire une. 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 Oh, j'en ai re-économisé une. Oh, propre. Donc, là, ça me fait 4 terres, 4 feux, 7 air. Attendez, je vais juste... Ouais, bon, bah écoutez, je vais faire encore une rune, 2 runes trans-terre. 2. Comme ça, j'aurai un petit un stock. Il m'en reste une. Je vais faire une air de nouveau. Une rune air, ouais, vas-y, hein. Tac. Ok, bon bah on aura tout fait. Du coup, j'en avais combien des runes trans de base? Je sais plus maintenant. Il va te falloir un sacré billet pour acheter les familiers style Bouac. Ouais. Sachant que c'est 4 millions U minimum. Ça va coûter cher, hein. Mais bon, en vrai, bon, ça devrait aller. Une fois que je les ai, tu vois. C'est vraiment comme tout. Bon allez, on va crafter du coup ces pâtes gastriques. Ça bug à mort, hein. Va falloir vider une deuxième fois le cache. Hein. Oh là 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 là.
Allez, on fait de la belle écho encore. Des noyaux de proto. Boum. Allez, un item en plus sur la liste. Alors, qu'est-ce qu'on a économisé dessus? On a économisé deux noyaux de proto, deux petites conneries. Ouais, ça va, c'est honnête. Et si on faisait le récap, du coup, de tout ce qu'on a économisé? On a économisé, donc... ouais, là, on était à peu près à, on va dire, 40 millions de ressources pures, plus une crocobure en plus qu'on a crafté. On a tout ça, alors, en vrai, mais véridique, tout ça, là, tout ça, ça a été crafté, tout ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 items qui ont été craftés. Tout ça, là, ça a été crafté de ici à ici. 3 Jessica, 3 Crocobures, 2 Prisma à cheval pour la fin parce que j'en avais trop. Phalanster, Trompe la Mort, H-Barre de Guerre, Corrup, plus tous les items. Ouais, franchement, il y en avait pour plus de 700 millions d'EcoCraft, là. Il y en avait pour 750 millions, hein, théoriquement. Parce que j'étais déjà à 500, à 650, plus la croco. Et tout le reste, on est... Non, en vrai, on est à 800M. On est quasiment à 800M, en vrai. Bah, en vrai, c'est... J'étais à 450 millions d'estimés, c'était bugué. Et là, je suis monté à 1 milliard 250. Donc, on a fait quasiment 800 millions. Sachant qu'on a économisé encore beaucoup de petits crafts à la con, les Frosties... Les ressources. Donc, putain, on a fait un EcoCraft de bâtard quand même, hein. 800 millions, hein. 800 millions. Go to mettre en HDV pour voir les estimations. Du coup, oui, on va mettre, on va mettre en avant ça, qu'on va voir pour combien on a crafté. Juste d'items, hein, sachant qu'on a encore beaucoup de ressources et compagnie. Vas-y, je mets tout ce qu'on a crafté. Pardon. Vas-y, vas-y. Sachant, et je peux encore crafter des pre-tech, hein. C'est ça le pire. Je peux encore crafter des pre-tech, mais là, pour le coup, ça vaut vraiment pas le coup. Puisqu'ils valent moins cher que les ressources. En base, de base. Ok. Donc, actuellement, juste en item, on est à 731 millions. Millions. Et sans compter, évidemment, le reste des échos, hein. Putain, 731 millions. Si c'est pas lourd, ça. Putain de merde. Donc, évidemment, il y aura deux crocobures qui vont partir. Donc, ça fera quasiment 200 millions. Celles-là, elles sont à dire, on va dire, les 55 millions. 60, en vrai, c'est 60 millions, là, Jess. Hein, surtout avec un bon G. Donc, on est sur du 120. On va dire 120 millions, les deux. Donc, on est sur du plus 200. Donc, 320 millions. 320 millions, la vente des deux crocobures de Jess, plus la vente des ressources derrière. Donc, théoriquement, je peux monter à... Pff, allez, on va dire un bon 350 millions de kama pur. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, Zinzolin, c'est moitié invendable en ce moment. Ouais, 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 je sais, je sais. Donc, putain d'EcoCraft. Et rendez-vous le 16 avril de nouveau pour le deuxième EcoCraft de 15% surtout, hormis les runes, à Astrub. Et on refera des EcoCraft, évidemment, sur ce qu'on ira dropper en songe et compagnie, quoi. Donc, Eh, les gars, pensez à vous abonner sur Twitch, hein. Pensez à vous abonner, les gars, hein.